Il est allumé, Bernard. Je respecte les 3 secondes de silence. Il faut regarder ton public. Elle a été mon maître. Donc, 3 secondes de silence. Je vous demande un silence respectueux. Tu l'éteintes ? Non, non. Très curieusement, 3 secondes. Excuse-moi. Je suis dans les clous. Très curieusement, quand un conférencier descend de la plateforme, on n'appelle pas ça une scène, on appelle ça une plateforme dans le métier, la première chose qu'on lui demande, c'est « Où puis-je trouver votre livre ?» Alors, c'est un homme de parole, c'est un homme de mots, de parole, les paroles, les mots, donc il y a peut-être un oxymore, là, en fait, l'oxymore n'est qu'apparent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un livre, c'est un élément déterminant dans le dispositif d'un micro-entrepreneur, tel que la plupart du temps vous l'êtes, ou de cadres dirigeants, et de conférenciers. Cet écosystème, c'est en fait un triangle vertueux, comme vous pouvez le voir, et en fait, il y a 4 raisons pour lesquelles un livre, c'est un élément déterminant. La première, c'est que le livre donne aux conférenciers l'autorité. Les Américains disent « authorship is authority ». Le livre donne l'autorité. Deuxième élément, le livre va permettre de donner une ressource supplémentaire au conférencier, puisqu'à la fin, il va se précipiter vers la petite table chez l'éditeur du nom, en espérant que vous serez nombreux à arriver et à vous arracher nos livres. La troisième, c'est que ce statut va permettre de donner de la lisibilité au conférencier qui va pouvoir se faire à nouveau référencer et prescrire pour de nouvelles conférences. Et la quatrième, en fait, enfin, c'est qu'il va donner une légitimité à l'auteur et au chef d'entreprise qui est devenu conférencier et auteur et qui va pouvoir donc mieux commercialiser, vendre ses produits, ses services et son entreprise. La Christine Moret, donc, que nous avons évoquée tout à l'heure, qui aurait dû être là ce soir, était exactement dans ce cas de figure. Donc, une figure tutélaire de la formation conférencier, total respect, la seule française pendant 10 ans à être Certified Speaking Professional par les États-Unis, donc la plus haute autorité en matière de pédagogie de conférence, 20 ans d'expérience, et elle souhaitait transmettre son expérience à tout le monde, et elle m'a donc proposé d'être co-auteur en tant que journaliste et auteur moi-même. Ce livre est structuré en une 60aine d'outils qui sont très didactiques, hein, ça appartient à la collection La Boîte à Outils que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, donc édité chez Uno, et il est sorti cet été. Parmi ces outils, il y a des outils aussi divers que quel style d'auteur, quel style de conférencier êtes-vous, puisqu'il y a plusieurs types de conférenciers, ou alors quel style vous pouvez adopter, hein. La mode se démode, mais le style est éternel, comme disait Coco Chanel, donc à vous de le trouver. Ensuite, quel discours, comment vous allez structurer votre discours, puisque comme vous l'a montré, la théorie, l'indigestion et la structure de ce hamburger est une belle métaphore assez pratique. Ensuite, comment vous allez créer un lien avec le public. Vous avez vu ce qu'a fait Véronique. Donc un lien physique, un lien, je dirais presque charnel entre vous, en vous embrassant, en vous prenant dans ses bras, en vous regardant, en créant ce lien. Ensuite, comment vous asseoir sur la technologie, les instruments, les outils d'aide à la projection, la sono, les lumières. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont nous permettre de mieux penser, de mieux organiser ce site. Et dans cet outil, on avait donc 3 grands dossiers, qui étaient comment embrasser le marché, comment connaître le marché de la conférence, ses acteurs, ses bonnes pratiques, ses chiffres clés, ses tendances. Ensuite, comment créer donc une intervention. Et puis pour finir, comment dérouler cette intervention, livré, comme on dit dans le jargon, et un 4e dossier qui est en fait
comment se vendre en tant que conférencier, puisque bien entendu, il ne suffit pas de savoir faire encore, faut-il le faire savoir, vous le savez. Et donc, c'est un ouvrage collaboratif où nous avons fait appel à l'intelligence collective de 19 contributeurs, dont deux sont parmi vous, parce que ceux qui m'encadrent ce soir, et 19 contributeurs qui chacun ont donc apporté, qui sont des pointures dans le domaine respectif et qui ont apporté leur savoir-faire et leur expertise. Donc, dans des domaines aussi particuliers que comment concevoir votre personal branding, votre marque personnelle, comment arriver à vous projeter projeter votre stratégie digitale, comment oser faire du marketing sur Facebook, comment devenir infopreneur, comment trouver des distributeurs et comment trouver des prescripteurs, et puis comment finalement même négocier un contrat. Donc il y a des gens aussi célèbres que Michael Avila, conférencier, que David Gell au niveau des vidéos, ou que Laurence Torche, directeur de la production de TF1, enfin qui l'était à l'époque. Et enfin, un dernier élément qui sont très intéressants parce que ce sont énormément de ressources qui sont diffusées en ligne, alors qui quasiment rajoutent un tiers au livre, c'est-à-dire 10 documents téléchargeables qui vous permettent en fait d'avoir beaucoup plus d'infos, dont un outil assez inédit qui est un simulateur de calcul d'estimation de vos revenus et de vos tarifs en tant que conférencier, et puis une 21 vidéos d'application de perfectionnement, vous voyez un exemple en ce moment, qui vous permettent donc de connaître davantage et de voir les mouvements d'un conférencier. Tous ces chiffres ont été confirmés, je dirais, par une étude qui a eu lieu par le REN Group en 2006. Ça fait 10 ans, mais elle fait toujours autorité parce qu'en France, c'est un marché qui a eu maturité 10 ans après les États-Unis, comme souvent. Donc c'est Business Impact on Writing a Book. Et à la première question qui était quel est l'impact qu'a eu le fait d'avoir écrit un livre professionnel sur votre business, ben, l'impact à 96%, les entrepreneurs auteurs ont répondu oui. Vous voyez un véritable score de dictature. Rassurez-vous, ils n'ont pas bourré les yeux, là, c'était clair. La deuxième question, c'est est-ce que ce livre a renforcé votre marque ? Ben, ils étaient plus de 85% à dire oui, il nous a donné de la légitimité, et oui, il nous a permis il a donné à notre société une image de référence sur son secteur d'activité. Et enfin, à la dernière question, qui intéresse évidemment beaucoup les Américains et nous-mêmes, est-ce que ce livre a boosté vos revenus ? Donc ils étaient encore une fois 53 à affirmer que dans les 6 mois qui ont suivi l'apparition du livre dans les bacs, effectivement, les revenus ont augmenté. Alors, vous allez vous dire, il y a donc comment on fait un livre. Bon, alors, il y a évidemment la voie royale, hein, vous le savez, d'être édité par l'éditeur national. Vous bénéficiez à ce moment-là, en version papier, de toute la force de vente de son circuit commercial, du circuit de distribution, toute la promotion qui est autour, vous en doutez bien, mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas assez, c'est le bon petit livre blanc. Le livre blanc, c'est donc un outil qui va permettre de faire la synthèse de votre secteur d'activité, ou alors de donner l'essence, l'ADN de votre expertise, de votre savoir-faire, en tant que dirigeant, en tant qu'infopreneur, ou alors de donner les bonnes pratiques de votre secteur d'activité, en tout cas de vulgariser, de donner les clés. L'avantage, c'est qu'il n'est pas long à faire, ça peut très bien faire 20 pages, si c'est bien fait, et il est digital, donc pas de coût de fabrication, et vous allez pouvoir donner suffisamment d'informations. Alors là, il y a un curseur qui est assez subtil, sur lequel à déplacer, donner suffisamment d'informations, mais pas trop. Alors suffisamment parce que vous allez donner de véritables clés et gratuitement à vos lecteurs, et ils vont se dire, ben, si cette personne est capable de me donner autant de clés que je vais pouvoir utiliser, c'est que vraiment elle en a sous le capot et qu'elle va pouvoir vraiment m'apporter encore beaucoup plus d'informations. Et donc ben, le livre, vous le savez, donc l'idéal, vous référencez bien sur les mots-clés du livre, les gens viennent le télécharger gratuitement sur votre site internet, et puis grâce au tunnel de capture que vous avez prévu au préalable, ils ont renseigné leurs données, et vous pouvez donc les convertir en clients. Donc un livre blanc, ça prend beaucoup moins de temps à créer, et c'est très efficace, vous pouvez commencer par ceci. Alors vous allez vous dire évidemment, ben, nous sommes des micro-entrepreneurs, nous sommes des cadres dirigeants, nous sommes des
J'ai pas le temps. Voilà. Évidemment, j'ai pas le temps. Un livre, c'est long à faire. Oui, un livre, entre le moment un livre broché, je dirais papier, il faut compter à peu près un an entre l'idée initiale et le moment où vous l'avez vraiment livré dans les bacs. Donc, j'ai pas le temps, ou alors je ne sais pas comment écrire un livre, ou alors c'est assez compliqué. Moi, je peux pas être à la fois en production sur mon lieu de vente et sur le terrain, et puis en même temps en conceptualisation avec le recul nécessaire pour écrire un livre. Bon, dans ce cas-là, c'est pour ça que, comme Christine Morlaix, vous pouvez faire appel à une agence d'accompagnement littéraire comme la mienne. Justement, on est là pour ça. Donc, j'avais créé Formation Auteur, je le disais à Véronique tout à l'heure. J'ai été directeur de la communication de la Chambre de commerce et industrie de l'Est d'Azur, ensuite rédacteur en chef adjoint du Figaro magazine PACA et de l'Express Méditerranée. Et ce qui m'a permis, et j'ai également écrit 6 livres, ce qui m'a permis maintenant de mettre ce savoir-faire à la disposition. Alors en créant quelque chose, un concept que j'ai baptisé le livre signature, par analogie avec les chefs, si vous savez que les chefs, pour se faire connaître, dans la haute gastronomie, on a toujours créé un plat signature comme le regret de Jean Duchon avec sa fameuse purée de pommes de terre rate qui a fait son succès. Il est devenu 32 étoiles Michelin, donc total respect. Donc voilà, je vous souhaite de devenir vous-même une référence dans votre secteur d'activité grâce à votre livre signature. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je vais vous présenter donc l'un des 19 contributeurs qui va clore cette conférence. Sébastien Gourrier est le fondateur de SG Auto Entrepreneur. Donc, en dehors d'être une très belle personne, il a conçu un outil qui est aussi pratique pour les conférenciers et les speakers que pour les micro-entrepreneurs, un auto-répondeur. Donc, voilà. Alors, au-delà d'être un technicien assez hors pair, c'est également une belle personne et qui a à cœur de donner du sens, de donner du cœur et de donner de la bienveillance à ses clients et ses partenaires.